les amis, direct de Herzliya. Regardez comme c'est beau. Bonjour Nessim. Regardez comme c'est beau, l'entrée de Herzliya avec ses bougainvilliers, ses palmiers. Shalom Aleichem, Manishma. Regardez-moi ça. Et bien entendu, le symbole de Herzliya, c'est Herzl, qui porte, qui donne son nom à Herzliya. Je suis Herzliya, Israël. Voilà Herzl. À l'entrée de Herzliya, je vais aller manger. Regardez-moi ce bougainvillier. C'est joli, hein? Ces fleurs roses. Bonjour. Allez, on traverse. Quoi de beau les amis, regardez ici, il fait super beau. Israël. Je regrette presque d'avoir mis ma veste là. C'est le bleu. Il fait super beau, il fait super chaud, temps de ouf, ouais. On se croirait presque au mois de septembre, on ne croyait pas au mois de novembre. Paris en Algérie, ah bah c'est super, qui fait bien. Alors les amis, je vais passer sur le pont, je vais vous le montrer. Le pont qui... Ce pont là, c'est l'autoroute A2 en Israël, autoroute 2. Donc c'est celle qui... J'espère que vous me capterez. Et ce pont-là, c'est cette autoroute 2, c'est celle qui fait, qui va du nord d'Israël jusqu'au sud, donc qui va jusqu'à Tel Aviv. Et donc on passe en dessous. Et puis ici, c'est pas les ponts d'Aubervilliers, hein, regardez comme c'est joli. Hein, ceux qui connaissent le pont d'Aubervilliers, moi je suis passé souvent par-dessous. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça à l'entrée, avec tous les palmiers. Voilà. Il y a toujours un troll qui dit vive la Palestine. Bienvenue au troll. Le télescope est ouvert à tous. Alors. Voilà. Donc là, on rentre vraiment dans Herzliya. Voilà. Donc là, on a le sionisme. Voilà le sionisme. C'est les choses qui marchent. Hein. Ça c'est le sionisme, c'est tous ces immeubles là. Voilà, on construit Israël. Schéma Israël. Voilà, Matrix en face. Voilà, alors ça c'est, on est vraiment dans le... On arrive dans le cœur d'Herzliya. C'est ce qui fait marcher. Donc ici on a tout simplement le pétrole israélien, il est ici, c'est-à-dire la matière grise, ceux qui font fonctionner les neurones. Ceux qui font fonctionner les neurones, c'est ici, voilà, au centre. C'est là qu'on travaille. Qu'on travaille avec sa tête, au lieu de travailler avec, avec des bêtises. Des jolies filles. Alors soyez sages les amis, ne vous entretuez pas sur le chat.
Voilà, moi je veux vous montrer ce que c'est le vrai Israël. Et pas ce qu'on voit, soi-disant, par-ci par-là, dans les médias. Parce que c'est pas ça le vrai Israël. Le vrai Israël, c'est ceux qui travaillent. Voilà, c'est ceux qui vont manger à midi. My smartphone is a Samsung Galaxy Note 3. Voilà. Alors ceux qui sont sur ce chat, sachez qu'on veut ici, on veut la paix pour le monde entier. Il n'y a pas de Palestiniens, il n'y a pas d'Israéliens, il n'y a pas d'Américains. On est des humains, les amis. Arrêtez de vous taper dessus. On est des humains. Ici, c'est Albert. C'est des voitures de location. C'est assez... ils ont un immeuble entier pour eux. Hein ? Exactement, des humains créatures de Dieu. Faut arrêter de se taper dessus. Je pense qu'il serait temps qu'on s'arrête de se taper dessus. On s'est assez tapé dessus ces dernières années. Et... là, c'est le bordel. Les gens cherchent des places. Parce qu'on arrive dans le centre... on arrive dans le centre de l'Hertzia, là où les gens vont manger. On est tous des frères et sœurs, tout à fait. Ouais, alors là, c'est vraiment le moment où les gens vont chercher à manger. Donc là, je vous amène, les amis, une passe piétonne. On va voir les restaurants. Petit falafel, on va se faire un shawarma. Je vais vous montrer un petit peu là les. Ici, donc on a des marques partout. Hein. Et là voilà, vous avez les gens qui sont tranquillement en train de prendre leur déjeuner. Comme vous voyez, c'est européen. Hein. C'est pas du tout ce qu'on pourrait penser, les mecs avec les papillotes et les machins, voilà, on est... les gens sont en train de... tranquillement de bouffer. Et... tout à fait, il faut qu'on ait la paix. Il faut qu'on ait la paix entre les différents peuples, il faut arrêter de se taper dessus, on est tous des humains. Et le jour où on aura compris ça, il n'y aura plus de guerre dans le monde. Mais tant qu'on dira « Palestine vaincra », on jouera le rôle du massacré-massacreur, massacreur-massacré, qu'on ne sait pas d'ailleurs qui est à l'origine de quoi. Mais faut être dans des démocraties. Regardez comme c'est beau tous ces immeubles. Regardez la taille de l'immeuble. Voilà. On se croirait dans le futur, là. Hein ? Là, on est dans le futur. On est dans Capitaine Flamme. Vous voyez ? Ça, c'est l'avenir. Faut pas revenir dans le passé. Arrêtez de demander de revenir dans le passé, il faut la paix. Il faut qu'on se retrouve les uns avec les autres. Il faut qu'on construise l'avenir. Et je vous ai montré plein de fois, ceux qui construisent tous ces immeubles-là, ce sont des Palestiniens. Donc les mecs, ce sont les Palestiniens qui construisent Israël. Vous comprenez ? Exactement. Exactement. Et vous voyez les gens qui passent là. Voilà. C'est ici on est habillé, vraiment, on est tous mélangés. Ici c'est mon shawarma préféré. Alors, on va rentrer. De la pita qui est frite. On fait les restes de pita qui sont de la cuisson dure, qui les font frire. Et alors on peut les manger, c'est très bon.
salé, ça a un goût de friture et un goût de thym. C'est vraiment très bon, je vais prendre alors. Shawarma très sympa, c'est un mélange de... Il y a un mec qui est en train de couper là. Il coupe le shawarma. Vous voyez bien? C'est des rebeux hein, qui travaillent là. Donc voilà. Alors c'est marrant parce que c'est des rebeux qui servent la viande dans un restaurant cachère. Trump, c'est une bonne chose. Une bonne chose pour Israël. Là, je fais la queue, il y a mon sou. En attendant, parce que le restaurant a beaucoup de succès. Mais Trump ce sera bon pour le monde entier. Hein. C'est pas que pour Israël. Ce sera bon pour enlever l'islamisme radical du monde. Ce qui s'est passé, ce que Obama a fait depuis 8 ans, a préféré les frères musulmans. Bah, Trump, ça va changer. J'espère qu'il va changer tout ça, qu'il va pas continuer dans cette politique. Vous entendez bien avec le bruit là, il n'y a pas trop de bruit. Avant d'être musulman, vous étiez juif. Mais si on considère que le monde entier descend de Abraham, on est tous des frères en fait finalement. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Salam pour nous essai. Anna, tu es contente du vote Trump ou tu n'es pas contente de ça? Je vous montrerai la carte. On a 33 shekels le shawarma, ce qui fait on divise par 4 pour avoir un franc d'euros. À peu près 6 euros, 7 euros. 7 euros le shawarma. C'est joli le sol. Un mélange de shawarma, plusieurs mélanges de viande différentes qu'on peut faire ici et c'est vraiment très bon. Faites la paix les amis sur le chat s'il vous plaît. Gavani, moi aussi. Et là ça désemplit pas. Hein. Thank you.
c'est les petites salades qu'on peut rajouter. Il y a toutes les petites sauces. La bouffe est très bonne, elle a beaucoup de goût. Elle a beaucoup de goût, c'est pas le cas. En France, par exemple, on met très peu d'herbes. Et ici, en fait, elles sont très bien assaisonnées. En France, on ne connaît pas les herbes fraîches. On ne met jamais d'herbes fraîches dans tout ce qui est ici. Il y en a partout. Dans les supermarchés, on vend que ça. Ouais. Sur le chat, on est tous des frères. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vais commander. Voilà vos frères musulmans qui nous servent dans un restaurant cachère. C'est ça la vie en Israël. Yala. Bye Haverim. Hasta la vista. À très bientôt.